Ça y est, ça commence à se connecter. Ah, Camilla, ça va? Donc, connectez-vous. Virginie de Loba, ça va? Nous allons parler d'un sujet très important ce matin. Un sujet qui touche toute forme, que ce soit de civilisation, de religion, de personnes dans le monde. Nous allons parler de la polygamie. Bon, vous savez que y a beaucoup de personnes qui sont polygames dans le monde et d'autres qui vont accepter la notion de la monogamie, mais ils vont néanmoins courir derrière les femmes, ils vont aller chercher d'autres femmes, d'autres, on va les appeler des maîtresses, ainsi de suite. Flo, salut, Catherine, salut. Donc on va les appeler des maîtresses. Donc, comment ça, t'entends pas le son? Il n'y a pas de son? Bien sûr qu'il y a du son. Bon. Sans plus tarder, on va entrer dans l'enseignement. Déjà, bonjour à tous ceux qui vont se connecter, qui vont regarder cette vidéo, cet enseignement puissant. Vous savez qu'actuellement en Afrique, pas seulement en Afrique, même en Amérique, les Mormons sont polygames. Une grande partie des Mormons sont polygames, ils aiment la polygamie. D'abord, avant de parler de la polygamie, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui veut dire la polygamie. C'est quoi la polygamie, premièrement? Bon, par rapport au grec ancien, la polygamie, c'est tout simplement, ça veut dire polios, gamos. Donc, il veut dire plusieurs. Polios, c'est plusieurs. Et gamos, qui veut dire mariage. Donc, plusieurs mariages. Et en Afrique, actuellement, on va plus parler d'abord, plus de l'Afrique. En Afrique, actuellement, il y a des États, des gouvernements, des pays qui acceptent, qui autorisent la polygamie est même inscrite dans la Constitution. Et beaucoup de personnes qui se disent chefs, qui se disent, on va dire, enseignants ou des bonbons, tout ça là, vous allez les voir, ils vont venir se pavaner dans les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias, dans les chaînes télévisées, ainsi de suite, pour parler de la polygamie en disant que l'homme noir est polygame de nature. Que les ancêtres étaient polygames, et même ceux qu'on appelle des croyants, des chrétiens, ils disent aussi que Dieu a autorisé la polygamie dans la Bible. En vous citant les versets qui ne tiennent pas la route, ils vont vous parler d'Abraham, qu'Abraham était polygame, il avait Sarah, et ensuite Sarah lui a donné Agar, la servante. Et plus tard, quand Sarah elle est morte, il a pris une autre femme après. Mais et qu'il n'avait pas répudié Agar. Et aussi dans les Bibles actuelles classiques, quand vous lisez, on vous apprend que Salomon, le roi Salomon, dont Monmon, a eu beaucoup de femmes, on vous dit même 1000 femmes. Et David aussi, lui aussi, il a eu beaucoup de femmes, dont on vous parle, on vous dit qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la Bible qui avaient plusieurs femmes. Et même il y avait une histoire où celui qu'on appelait David, à un moment, il a couché avec la femme d'Uri. Il a couché avec la femme d'Uri, donc il a fait tuer Uri. Là, c'est dans les Bibles actuelles classiques. Mais c'est juste un résumé que je donne. Et ensuite, on va entrer dans le cœur du message, dans les vraies versions, dans la vraie version, les vraies histoires. Et l'origine même de la polygamie. Et on va vous expliquer pourquoi il y a des gens qui sont polygames, pourquoi certains luttent pour que la polygamie puisse rester. Donc, et dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que David, le roi David, a eu des rapports sexuels avec la femme d'Uri. Donc il a fait tuer Uri, il a mis Uri devant la bataille et il est mort. Donc du coup il a pris sa femme. Donc quand il a eu des rapports sexuels avec sa femme, et il y a eu un homme de Dieu qui est venu pour lui dire en gros ce qu'il a fait n'était pas bien. Et ensuite on vous dit que en gros par l'intermédiaire que Dieu l'aurait dit à David que il a donné beaucoup de femmes à David. Il a dit à David, je t'ai donné beaucoup de femmes, j'ai mis beaucoup de femmes sur ton sein. Si tu avais voulu, j'allais encore t'ajouter autant de femmes. Mais pourquoi as-tu pris la femme d'Uri, de ce pauvre homme en gros? Et beaucoup de gens qui se disent pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, diacres, qui n'ont pas de connaissances, qui ne sont
par les Écritures, et d'autres personnes qui vont venir se pavaner sur Internet, ils vont dire que, vous voyez, Dieu autorise la polygamie, qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Dieu interdit la polygamie, que ce soit dans ce qu'ils appellent Ancien ou Nouveau Testament. Donc ici, on va entrer dans le cœur du message maintenant. D'abord, vous ne devez pas ignorer qu'un polygame, celui qui est polygame, celui qui accepte la polygamie, ceux qui sont pour la polygamie, ce sont des gens qui aiment le sexe, tout simplement. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. On va entrer plus en profondeur pour voir comment la polygamie se passait dans l'Afrique ancestrale, d'où est-ce que c'est arrivé, comment c'est venu, par qui la polygamie a commencé et pourquoi la polygamie a commencé. Qu'est-ce que le spirituel, le grand ordre des choses, pense de la polygamie. Donc ici, vous devez comprendre tout simplement, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont polygames parce qu'ils aiment le sexe. Ils ont des appétits sexuels démesurés, et exactement comme les Bandambodima, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc. Donc ici, nous allons entrer dans la version authentique. Vous voyez, c'est Bible, je suis dans Bible. Nous allons entrer dans la version authentique pour vous parler de la polygamie et aussi par rapport à David, Abraham, ainsi de suite. Est-ce qu'ils étaient, même Jacob, on vous dit même Jacob, celui qui était issu de plusieurs. Du peuple d'Israël, on va dire comme ça selon les Bibles actuelles. Donc, dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 8 à 9. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 8 à 9. Mais avant d'entrer dans l'enseignement, je tiens juste à vous dire, à l'époque, quand j'étais allé au Mali, j'ai fait plus d'un mois au Mali, ça date déjà, et je suis allé dans un village au Mali, je crois que c'était Kidira. Ou Fegui ou Kidira. Bon, je suis allé dans ce village-là et on était chez un monsieur, c'était un notable. Là-bas, là, au Mali, dans le village où il était, c'était un notable. Et ce monsieur avait plusieurs femmes. Donc, je me suis rapproché de l'une des femmes pour lui poser la question, parce que cette femme, on va dire, était quand même instruite. Donc, elle s'exprimait bien, elle connaissait des choses. Donc, je me suis approché de cette femme. Je lui ai posé quelques questions. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle tolère la polygamie, vu qu'elle a des co-épouses. Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Est-ce que ça vient de la religion? Est-ce que ça vient de. Pourquoi elle est dans la polygamie? Pourquoi elle se retrouvait là-dedans? Elle m'a tout simplement répondu que ce sont les hommes qui ont instauré ça. Vous voyez, c'était une femme, une croyante. Elle m'a répondu tout simplement qu'elle n'approuve pas la polygamie, mais que chez eux là-bas, c'est une tradition, elles sont obligées. Donc, il y a plusieurs pays d'Afrique où on oblige la polygamie, même les mères, ils autorisent la polygamie quand vous voulez vous marier, on vous demande, est-ce que vous avez la polygamie. Bon, on m'a appelé, priso, Alain. Il essaie d'appeler, parce qu'il essaie de m'appeler, là, ça a coupé le direct. Donc, dis-lui que je suis en direct, là, s'il te plaît. Apparemment, il n'a pas vu ton message, dis-lui que je suis en direct, parce que quand on m'appelle, ça coupe le direct. Donc, partagez le direct, envoyez des cœurs, partagez le direct. Ça va libérer beaucoup de personnes dans le monde. Donc, je disais, avant que ça puisse couper, que les polygames, c'est ceux qui aiment le sexe. Les gens qui aiment beaucoup de femmes, ils veulent avoir beaucoup de femmes chez eux. Donc, ils vont avoir une maison, les femmes vont habiter dans plusieurs maisons, ainsi de suite. Donc, ils vont dire que c'est propre à l'homme noir, à l'homme africain, d'être polygame. Que tous ceux qui refusent la polygamie, tous ceux qui sont contre la polygamie, selon ce que certains vont dire en Afrique, ils vont dire que ce sont les Occidentaux, ce sont des. Ils ont été occidentalisés. C'est pour cela qu'ils ne sont plus des vrais Bantous. Déjà, on ne dit pas bantou, on dit bato. Oui, on ne dit pas bantou. Ceux qui disent bantou, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la langue originelle, le mystère. Donc, ces gens qui disent que tous ceux, les Noirs qui refusent la polygamie, que les Noirs qui refusent la polygamie sont occidentalisés. Je voudrais répondre à ces personnes qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, qu'il y a des. Bon, ça a encore coupé, la personne. Bon, il a encore essayé de m'appeler. Apparemment, il n'a pas vu vos messages. Quand il m'appelle, ça coupe le direct.
Je dis donc, je vais répondre à ces personnes, ceux qui disent que les Noirs, les Africains qui n'autorisent pas la polygamie, ce sont des gens qui sont occidentalisés. Je vais répondre à ces personnes qu'il y a bel et bien des Blancs qui sont polygames, qui acceptent la polygamie. Il y a les Mormons, les Mormons sont polygames, ils aiment les femmes. Déjà, le fait même déjà que quelqu'un se marie juste avec une seule femme et qu'il aille voir d'autres femmes dehors. En Europe, on appelle ça des maîtresses. Et en Afrique, ils appellent ça deuxième, troisième bureau, ainsi de suite. Donc, c'est toujours des gens, ce sont des polygames. Un polygame, c'est celui qui va avec dans plusieurs mariages, plusieurs femmes, ainsi de suite. Donc, ce sont des gens qui aiment la polygamie. Un polygame, je le répète, c'est quelqu'un qui est possédé par les démons, par ce qu'on appelle les Dima des satyres, les démons en forme de bouc et des sirènes des Odons, Minguma Madiba. On va donc expliquer, on va prendre les versets bibliques, mais dans la version authentique, originelle, qui parle de l'histoire des patriarches, dont les Monmon qui est Salomon, de Tondo qui est David, de Sango qui est Abraham, ainsi de suite. Donc on vous dit ici dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 8 à 9. Dans Bible, dans la seule version, dans la seule Bible authentique, on vous dit, il y a plusieurs reines, virgule, et plusieurs princesses, et des jeunes femmes de rang aisé. Et des jeunes femmes de rang aisé. Donc, c'est un personnage, c'est une personne, c'est un patriarche, c'était un initié, un chef consacré, dont Monmon, dont vous connaissez sous le nom de Suléma ou bien Salomon, avait beaucoup de femmes. On va vous expliquer pourquoi Salomon a eu beaucoup de femmes. Qu'est-ce qui l'a poussé à avoir beaucoup de femmes? Est-ce qu'il a prouvé cela dans son fond intérieur? Est-ce que son esprit était en accord avec ses femmes, avec la polygamie? Donc, dans Cantique des Cantiques, comme j'ai dit, chapitre 6 au verset 8, au verset 8 à 9, il est dit, il y a plusieurs reines et plusieurs princesses et des jeunes femmes de rang aisé et à point. Une seule est ma douce, ma parfaite, il y a point virgule. Je m'arrête d'abord dans le point virgule. Donc vous devez comprendre ici dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 9, il est dit que une seule est ma douce, virgule, ma parfaite. Donc Monmon, qui est Salomon, il explique qu'il a eu, malgré autant de femmes qu'il a pu avoir, qu'il avait, on va dire 1000 femmes, dont 700 princesses, et 300 femmes de seconde zone. En gros, seconde zone, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire, quand on dit femmes de seconde zone, selon les femmes que Salomon il avait, les femmes de seconde zone, les 300 femmes de seconde zone, deuxième classe, tout ça, c'était pas des femmes pauvres, c'était des femmes qui étaient riches, extrêmement riches, mais sauf que elles n'étaient pas des princesses. Donc, malgré la multitude de femmes que le roi Salomon, selon les Bibles actuelles classiques, avait, malgré cela, il a quand même compris, il avait médité, il a compris que malgré toutes ces femmes qu'il avait, il y avait néanmoins une seule qui était sa douce, sa parfaite. C'est pour ça qu'il est dit ici, une seule est ma douce et ma parfaite. C'est celle dont son esprit avait adhéré. C'est celle dont son esprit, selon la loi spirituelle, avait autorisé. Et les autres femmes qui sont arrivées dans la vie de Salomon, les femmes étrangères, ainsi de suite, la preuve, on vous montre que ces femmes ont détourné Salomon, l'ont poussé à l'adorer les limbes qu'on appelle dans les Bibles actuelles classiques le nom d'Astarté. Donc il a élevé des statuettes, des autels, ainsi de suite. C'est à cause de cette multitude de femmes, parce que la polygamie, c'est une pollution. La polygamie, c'est du poison. La polygamie, c'est rabaisser la femme. C'est l'esclavage sexuel. On va entrer plus en profondeur. Parce que, comme je dis, il y a des gens qui disent que Dieu n'a pas interdit la polygamie, tout simplement parce que quand les Occidentaux ont rédigé les Bibles à cette époque, ils étaient polygames. En Europe, c'était autorisé la polygamie, mais sauf que ça a été interdit à un moment, ça a été interdit là. Mais la polygamie était pratiquée en Europe, si vous ne savez pas. Et c'est ces personnes qui ont rédigé les Bibles en fonction, qui ont rédigé l'histoire, qui ont changé l'histoire du peuple noir en fonction des pulsions sexuelles qu'ils vivaient, en fonction de leurs comportements occultes. Donc vous voyez ici, Salomon dit, une seule est ma douce, ma parfaite,
est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les coépouses, les reines et les coépouses. Et ensuite on dit, car après elle, il se laissa séduire. Après elle, il se laissa séduire par les Menguma-Madiba, donc sirènes des eaux, qui sont derrière la polygamie aussi. Et elle la loue, il n'y a point. Donc vous comprenez ici, Salomon, la première femme, quand Salomon, celui qu'on appelle Salomon dans les Bibles actuelles classiques, son vrai nom c'est Monmon, quand il s'est marié, quand Salomon, vous pouvez vérifier, c'est écrit même dans les Bibles actuelles classiques, dans toute forme et sorte de version. Quand Salomon s'est marié, il ne s'est pas marié avec plusieurs femmes au début. Il a pris une seule femme au départ. Au départ, quand il s'est marié en tant que roi, il ne s'est pas marié avec plusieurs femmes au même moment. C'était progressivement. Il a pris une femme au départ et il aimait cette femme-là. Donc, et c'est cette femme-là qui était, que son esprit avait, on va dire, accepté, avec autorisé. Les autres femmes qui sont arrivées dans la vie de Salomon, c'était uniquement, c'était une expérience pour lui. C'était une expérience. Ça, j'avais déjà démontré cela. Donc, ici, nous allons encore aller dans, toujours dans l'Afrique ancestrale. On va parler de l'histoire d'une femme remarquable, une femme noire, qui a marqué son époque, qui a bouleversé, qui a fait des combats spirituels très intenses, connue sous le nom biblique, sous le nom d'Esther. Mais son vrai nom, c'était Ngeti. Donc Esther, la reine Esther, ainsi de suite, dont vous connaissez, son vrai nom, c'était Ngeti. Donc, dans Ngeti, dans Esther, chapitre 4, versets 9 à 10. C'était à l'époque où il y avait un roi. Tout ceci s'est déroulé en Afrique. Donc, partagez ce direct, envoyez des cœurs, c'est très important. Envoyez des cœurs, partagez ce direct, envoyez ceci, invitez les faux pasteurs, invitez tous ceux qui sont adeptes des plaisirs sexuels, des pulsions de la chair, donc qui sont des polygames, envoyez-les ce lien-ci. Donc, dans Guinguetti chapitre 4, au verset 9 à 10, dans la version authentique, il est dit, Guinguetti était une belle jeune femme noire initiée, d'une beauté captivante depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. En elle, il n'y avait point de défaut, il n'y a point ici. Donc, je disais tantôt, c'était à une époque où il y avait un roi renégat, un roi non initié, rebelle, qui déjà pratiquait de la sorcellerie. Et il avait un harem. Il avait une reine. Il aimait les jeunes femmes. Il aimait les femmes. Il aimait beaucoup de femmes. C'était un polygame. Donc, il a fait arrêter beaucoup de femmes. De même que en Europe, le roi de France, à un moment donné, il avait les droits de cuissage. Vous voyez, les rois, c'était des polygames, c'était des pervers. Et à l'époque, ce roi-ci avait beaucoup de femmes. Donc, Genghis, à l'époque, donc qui est Esther, on n'a pas pu, dans la vraie version, la prendre comme une femme, c'est-à-dire comme une coépouse. Parce que déjà, c'était une femme initiée. Elle était initiée dans le combat spirituel, dans la valeur de la femme noire, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici que Ngengeti était une belle femme, une belle jeune femme, noire initiée, d'une beauté captivante depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. En elle, il n'y avait point de défaut. Elle fut autrefois initiée par son grand cousin et son Bas-Moumi et par les entités du grand ordre des choses. Et par les entités du grand ordre des choses. Dans le verset 10, il est dit, Guinguetti apparaissait déjà comme l'aurore. Et le contour de ses hanches pouvait déstabiliser tout non-initié blanc et sans mêlée qui aurait posé les regards sur elle. Il n'y a point. Donc, dans le verset 16 à 27, il est dit, au même moment, dans la même ville, un veilleur apparut à Ngengeti. Donc, on avait pris en otage beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. On les a mis, en gros, on les a mis des huiles, on les a mis des parfums, des aromates, on les a rendues. En gros, c'était des esclaves sexuels. Je répète, un polygame, celui qui est polygame, celui qui pratique la polygamie, c'est un
On va dire c'est quelqu'un qui est possédé. Oui, il est possédé par les satyres, par les bandambo dima mundima bobé. C'est quelqu'un qui a des pulsions sexuelles, qui a des appétits sexuels. Il aime ça. Donc, et on vous dit ici, et voici qu'elle fut environnée d'une lumière surnaturelle très intense. Ayant levé les yeux, Gengeti aperçut un très bel homme noir aux cheveux crépus et vêtu d'un lin plus brillant que la clarté du soleil qui allait jusqu'aux pieds. Ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses pieds brillaient comme le bronze en fusion. Il portait une longue ceinture semblable à une pierre précieuse qui lui entourait la taille. Dans un personnage très intrigant, c'était un veilleur, c'était un esprit qui apparut à cette jeune fille, à cette jeune femme connue sous le nom d'Esther, donc Gengeti, donc qui veut dire l'étoile, a apparu pour lui confier une mission. Là, cette histoire s'est bel et bien déroulée dans l'Afrique ancestrale. Ceux qui ont rédigé les Bibles actuelles, corrompues des erreurs, des confusions, des mensonges, vous ont caché cette histoire, mais heureusement, Loba, par la permission de sa grâce, par la manifestation de sa volonté, a permis que je sois là, le seul enseignant pour vous délivrer ces messages cachés. Donc, le veilleur lui dit, Ben Gengeti, comme tu le sais, l'image de la femme depuis lors est bafouée par Satan dans le Mundimabubi, le mauvais esprit. Et les siens. Ainsi, tu as été désigné afin d'éclairer le chemin de la femme noire assise au milieu de l'obscurité et à virgule. Et c'est pourquoi tu portes le nom de Gengeti. Car les seuls initiés au milieu des hommes connaissent véritablement le secret et l'importance spirituelle et physique de la femme noire dans le plan visible. Donc vous voyez, Satan, en tout cas pas les sirènes des eaux, pas les satyres dont on appelle les Ibandambo, c'est Satan qui est derrière la notion de la polygamie, tout simplement pour casser l'image de la femme noire, pour soumettre la femme noire dans les plaisirs sexuels, comme la plupart les terroristes le font, ils vont kidnapper les femmes. Quand vous lisez les Bibles actuelles classiques dans ce que vous appelez Ancien Testament, on vous dit que le faux Dieu, ce Dieu-là, donc, est Yahvé Adonai Elohim, l'éternel Jéhovah, dont j'ai donné l'identité, je vous ai montré qui était réellement ce Dieu-là, qui est en gros ce personnage, autorisait aux enfants d'Israël, quand ils allaient en guerre, dans les butins de guerre, si pendant qu'ils vont en guerre, ils vont trouver une femme qui les plaît physiquement, ils peuvent prendre cette femme-là, donc ils pouvaient prendre autant de femmes qui. Il voulait donc le Dieu des faux juifs autoriser la polygamie parce qu'eux-mêmes ce sont des pervers. Donc, car les initiés du milieu des hommes connaissent véritablement le secret et l'importance spirituelle et physique de la femme noire dans le plan visible. Point. Vous voyez actuellement, quand un homme va aller avec plusieurs femmes, lui, ce sont ses conquêtes. On va dire, ah, il est trop fort. Bon, pour certains doigts-là, ils vont dire « Ah, Wendy Bolo, nous Wendy Bolo ». Donc, bon, on sait que Bolo, c'est la pirogue, mais ils vont quand même dire « Nous Wendy Bolo ». Dans un homme qui va collectionner des femmes, on va dire « Lui, là, il est trop fort, c'est le roi des Écosses, un Jobala », ainsi de suite. Mais une femme qui va avoir plusieurs hommes, qui va coucher avec plusieurs hommes en même temps, avec plusieurs hommes, elle va avoir un homme là, ainsi de suite. On va tout simplement dire que c'est une prostituée, c'est une femme légère. Mais quand c'est l'homme, on va dire c'est normal. Pourquoi c'est normal? En quoi est-ce que c'est normal? Donc une femme, c'est quoi? Une femme pour vous, c'est une marchandise? Une femme, c'est quoi? C'est un objet sexuel? Non. Ici, on est là pour restaurer cette vérité. Donc, Satan, le Mundimabobé, le mauvais esprit, connaissait lui aussi véritablement le secret et l'importance spirituelle et physique de la femme noire. Il y a virgule. Il s'est donc appliqué à la contaminer pour qu'elle porte aussi sa responsabilité originelle. Non, pour qu'elle perde aussi sa personnalité originelle. Donc, la polygamie est là uniquement pour rabaisser la femme d'abord noire.
pour briser l'image de la femme, pour la soumettre totalement. C'est pour soumettre la femme noire. Et beaucoup de femmes sont dans le foyer polygame et ça ne se passe pas bien. Vous voyez, il y a un homme, il va avoir plusieurs femmes, il va avoir 5, 6, 7, 8 en fonction des moyens qu'il peut avoir. Il va maltraiter d'autres. D'autres vont être à l'aise. Il y a une qui va avoir une voiture, tandis que d'autres vont aller vendre au marché. D'autres seront là, elles seront méprisées. Où est l'amour là-dedans? Depuis quand un polygame va vraiment aimer ses femmes comme toutes les autres femmes? Je dis bien un polygame, c'est tout simplement quelqu'un qui est possédé. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Donc, Gengeti dit le veilleur. Ceci est vrai. Mais comment puis-je restaurer et éclairer la femme noire? Dans le veilleur apparu, ce personnage intrigant apparut à cette jeune femme pour lui dire qu'elle était établie, qu'elle était placée là pour restaurer l'image de la femme noire. Parce qu'en Afrique ancestrale, on mariait facilement les femmes, mais jusqu'à présent, il y a des pays où ils le font. Ils vont forcer les femmes à, même en Chine ça se produisait, même en Inde. Donc ne pensez pas que c'est tout simplement en Afrique. Actuellement, il y a des pays, même toujours, où les femmes, elles n'ont pas le choix. On dit, tu vas en mariage à ce vieux pervers-là. Vous voyez, il y a des vieux, ils sont là, ils ont des dents, on va dire des dents comme, comme des phacochères. Ils sont là, ils sont tous sales, des vieilles personnes. Ils sont sales, ils sont là, ils se lavent presque pas. L'hygiène, ils négligent leur hygiène, l'odeur corporelle, même par rapport à la bouche. Hein, vous voyez, les dents sont mal alignées, c'est sale. Ils sont là, ils préfèrent les jeunes filles, les pauvres jeunes filles. Ils vont prendre les filles de 12 ans, ils vont prendre les femmes en mariage, ils vont vous donner la cola, ils vont donner ceci, cela, après ils vont vous demander la dot. Je ferai encore une vidéo sur la dot. Parce que je suis le seul qui ait fait la vidéo sur la dot pour vous montrer le mystère même de la dot. Est-ce que la dot est autorisée ou pas? Ceux qui pratiquent la dot, ce sont des moutons. Donc, il y a des gens qui forçaient et qui forcent encore à se marier au pervers. Quelqu'un, vous voyez, il est sale, c'est un arrogant, il ne demande même pas l'avis de la femme. Une femme ne veut pas aller en mariage, on la force, on la fouette, c'est un déshonneur, on la force à aller. Donc, les parents qui envoient les femmes en mariage dans un mariage polygamique. Mais vous avez déjà demandé l'avis de votre fille pour savoir si c'est bien ou pas. Vous êtes déjà mis à la place de cette fille. Et là, vous allez voir que la maman de cette fille va dire, mais ma fille, tu veux quoi? C'est comme ça nos traditions. Vu qu'elle-même, la maman, elle va dire, elle aussi, elle est issue d'un mariage polygamique. Non, c'est pas parce que tu as souffert, c'est pas parce que tu as été une coépouse que forcément tu vas aussi mettre ta fille là-dedans. Non, il faut arrêter avec la sorcellerie. La polygamie, c'est de la sorcellerie. Parce qu'un homme ne va pas accepter d'avoir une femme, ne va pas accepter de partager une femme avec plusieurs hommes dans une même maison. Vous voyez, c'est la saleté. Pourquoi donc, si c'est la saleté vis-à-vis de l'homme, ça doit être normal chez la femme? Non. Vous êtes déjà mis à la place d'une femme qui subit la polygamie, ce qu'elle ressent. Non, ça ne vous intéresse pas. Parce que ce qui vous intéresse, c'est votre pulsion sexuelle. Si vous dites que non, vous êtes fort, vous êtes grand. Non, c'est la tradition. C'est comme ça en Afrique. Nous sommes des vrais Bantous. Un vrai Bantou doit avoir plusieurs femmes. Parce qu'un Bantou qui a une seule femme, c'est un célibataire. Mensonge. Qu'est-ce que vous racontez? Le Christ, même dans les Bibles antiques classiques, en tout cas, le vrai Christ, que Dieu qui savait, n'a-t-il pas dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres? Si vous ne voulez pas partager une femme avec plusieurs hommes, mais pourquoi vous voulez qu'une femme puisse vous partager avec plusieurs femmes? Posez-vous la question. Comment vous allez forcer des femmes à se marier aux pervers? Aux gens qui pensent juste, aujourd'hui il est là avec telle femme, demain il va avec l'autre, demain il va avec l'autre. Hein? Lui, c'est son, il se dit qu'il est puissant, il se dit qu'il est fort. Il est fort dans quoi? Des pervers, des pulsions, des mongols. Donc on vous dit ici, Gengeti dit au veilleur, ceci est vrai, mais comment puis-je restaurer et éclairer la femme noire? Le veilleur répondit en Gengeti, donc qui est Esther, tu devras combattre, tu devras plutôt combattre
les ibandambodima, c'est-à-dire les démons, les satyres en forme, les démons en forme de bouc, qui se sont introduits dans la ville afin d'abuser des femmes retenues dans le harem du roi corrompu. Puis tu prendras spirituellement le pouvoir de la main de ce roi pour devenir la reine des reines dans tout le continent. En étant reine, virgule, tu aboliras la polygamie et le droit de cuissage des nobles sur les femmes du continent à ton époque, à ton époque, à ton époque. Donc, vous voyez ici. Maintenant, nous allons parler de ton nom, dont vous appelez David. Parce que beaucoup de personnes vont prendre les Bibles qui ont été trafiquées par les Occidentaux, pour vous dire que non, Dieu autorise la polygamie, qu'un bon noir, un homme qui est mentalement stable, c'est quelqu'un qui doit avoir plusieurs femmes, autant de femmes qu'il veut, parce que pour lui c'est un trophée, pour lui c'est un champion, lui c'est un bon, lui c'est un bon, lui c'est quelqu'un qui est fort. Donc pour lui c'est ça. Donc je m'adresse à toutes ces femmes-là, arrêtez d'accepter ce genre de choses. Ça, c'est la tradition des non-initiés corrompus, des non-initiés qui pratiquent la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui que vous appelez Dieu n'a rien à voir avec tout ça, avec la polygamie. Parce que si le Créateur, donc qui est l'Oba, le seul, unique, vrai et véritable, avait autorisé la polygamie, il allait créer 2, 3, 4, 5, 6, 7, même 20, même 1000 femmes au premier homme du premier coup. Est-ce que vous comprenez? Le premier homme, donc, qui est moto, il a pensé à une seule femme, il a désiré, c'était une seule femme qu'il a conçue dans son moi intérieur, et on l'a extirpée dans ce qu'on appelle moto, dont vous appelez Ève, dans vos versions trafiquées. Donc ici, nous allons parler dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 25. Donc, partagez le direct, c'est très important. Partagez, envoyez des cœurs, c'est bien. Donc, dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 25, il est dit, alors là, c'était à l'époque où Thor avait eu des rapports sexuels avec la femme d'Uri. Donc, et on vous dit qu'on a envoyé un Moutopédamundi, c'est-à-dire on a envoyé un prophète, on a envoyé un homme de Dieu, pour dire à David que l'acte qu'il vient de commettre, c'était pas bon. Et beaucoup de faux pasteurs, ceux qui se disent des pasteurs, ceux des bishops, loin de l'éternel, maréchal, bref, ils se donnent des noms, des titres qui n'ont pas de sens, mais tous ces faux pasteurs qui sont dans toutes les religions confondues, ils vous disent, ils vont prendre le passage dans Samuel pour vous dire, vous voyez, David, que Dieu a dit à David, que l'Éternel Yahvé Adonai Elohim a dit a parlé à David en disant à David que je t'ai donné autant de femmes, je t'ai mis beaucoup de femmes, je t'ai mis plusieurs femmes dans ton sein. Si tu aurais voulu encore, j'allais t'ajouter autant de femmes. Mais pourquoi avoir pris une femme qui appartenait déjà à une personne? Vous voyez? Ils vont se baser sur ça en disant, vous voyez, que Dieu autorise la polygamie, tout simplement parce que les Occidentaux avaient la complicité des non-initiés de l'époque, rebelles, corrompus, idolâtres, ont modifié les Écritures. Ils ont modifié les Écritures. Ils ont mis des erreurs, des contradictions, des mensonges déjà, pour faire croire que la polygamie vient de l'Afrique, que la polygamie est quelque chose qui est autorisé. Et ça, c'est faux. Dans 2 Samuel, dans la version authentique originelle, il est dit, 2 Samuel 6, 25. Alors, Ingissé, qui était cet homme, Ingissé dit à ton don, dans ton don qui est David, cet homme riche, c'est toi. Ainsi parle Moutatedi qui est l'entité. Ainsi parle Moutatedi. Tu as été établi roi, initié en chef, consacré en Tombouané Bila. Je t'ai délivré de la main de Nyongi,
Nyang'e qui était un roi, qui est devenu un roi corrompu, rebelle, quelqu'un qui allait s'associer à la nécromancienne, donc qui est le roi Saül. Tu as été séduit, tu as été séduit à cause de la porte d'entrée que tu as laissée ouverte involontairement. Il y a virgule. Tu as épousé plusieurs femmes. Il y a une virgule. Je t'avais donné la loyauté de Tombané Bila et celle de Soma, Soma qui est Juda. Donc, Moutra te dit quelle entité ici qui guide et qui intronise les initiés. Il s'adresse à ton nom, au roi. Il n'a pas dit ici dans la vraie version authentique dans Bible, que je t'ai donné plusieurs femmes, que si tu aurais voulu, je t'aurais rajouté. Non, il a plutôt dit, tu as été séduit à cause de la porte d'entrée que tu as laissée ouverte. Involontairement, virgule. Tu as épousé et non je t'ai donné. Là, c'est dans la vraie version. Donc, les Mongols qui vont aller faire des débats, qui vont dire que la Bible autorise la polygamie. Quelle Bible? La Bible trafiquée autorise la polygamie. Oui, la Bible que les Occidentaux ont trafiquée. Ça autorise la polygamie. Parce qu'à cette époque-là, quand ils écrivaient ça, eux-mêmes, c'était des vrais pervers. Ils étaient plongés dans les appétits sexuels démesurés. C'est pour ça qu'ils passaient les temps à les violer. Donc, 2 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 2, il est dit, à cette époque, virgule, ton nom, donc qui est David, fut inspiré de nouveau par les Mengouma Madiba, donc c'est-à-dire les sirènes des eaux. Après quoi, virgule, il épousa encore d'autres femmes de rang principal et de second rang qui lui donnaient d'autres fils et filles. Donc vous apprenez ici que ton don a été inspiré par les sirènes des eaux afin d'aller épouser plusieurs femmes, donc d'être de plonger dans la notion de la polygamie. La polygamie, c'est de la sorcellerie. Vous voyez? Parce que les esprits sont là pour uniquement briser l'image de la femme noire. La preuve. On voit bien ce qui se passe. Vous allez voir, il y a une femme. Elle est là. Elle va aller coucher avec une star. Elles sont des groupies. Elles vont coucher avec une star. Elles vont aller écrire dans les réseaux sociaux. Ah, j'ai couché avec une star, j'ai couché avec une star. Elle est fière parce qu'elle est là pour rabaisser son image. Et d'autres vont venir mentir volontairement en disant que non, j'ai couché avec lui, j'ai couché avec lui. Aller pleurer les larmes de crocodile. Est-ce que les crocodiles ont même des larmes? Pour dire non, j'ai couché avec lui. On a eu des rapports sexuels. Et non, il ne veut pas dire la vérité. Mensonge. Donc vous voyez ici, dans 2 Samuel 1, versets 6 à 7. Tondo avait 30 ans lorsqu'il devint roi. On me dit que le roi David, quand il a eu 30 ans, il est devenu roi. Tondo ouvrit involontairement la porte au Mengu Mamadiba, c'est-à-dire aux sirènes des eaux, et eut plusieurs enfants de femmes différentes. Donc vous comprenez ici que la version authentique, avant que les Occidentaux ne viennent corrompre, ne viennent mettre livrer le mensonge, tordre l'essence de l'écriture, on montrait par là que le vrai créateur qui est Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, avait interdit la polygamie. A interdit la polygamie. Et on va vous donner l'origine de la polygamie. Pourquoi la polygamie a été manifestée? Et dans quelle lignée la polygamie est venue? Ici, on va dans Lévitico, donc qui est Bélé. Lévitico, dans Lévitique chapitre 15, au verset 4, il est dit, si un homme couche avec une des concubines de son père, virgule, quoique le verbe n'autorise pas la polygamie. Virgule. Vous voyez ici, dans Lévitique, dans la loi morale, c'est interdit. C'est interdit.
Et oui, c'est interdit la polygamie dans Lévitique chapitre 15 au verset 4. Donc, si un faux pasteur vient encore vous voir, si un pervers sexuel vient vous voir en disant, c'est pas écrit dans la Bible que la polygamie est interdite, que montrez-moi un passage dans la Bible où Dieu interdit la polygamie, montre-le la vraie version. Tu lui dis, vous lui dites que vos Bibles actuelles classiques, les 8 secondes, Darby, Osterwald, bref, toute forme et sorte de version des Bibles trafiquées, ce sont des mensonges. La seule version authentique, sans erreur, sans contradiction, c'est Bible. Calata, balai. Procurez-vous Bible. C'est très important. Vous allez dans le site, les éditions Zloula 100.com. Vous allez trouver Bible. Vous allez commander. C'est très important. Ça va vous libérer de l'anti-vérité. Donc, dans Lévitique chapitre 15, au verset 4, dans la version authentique originelle, il est dit, si un homme couche avec une des concubines de son père, virgule, ça ne veut pas dire que la parole, ça ne veut pas dire que le verbe autorise la polygamie, mais parce que le verbe sait qu'il y a beaucoup de pervers sexuels qui prennent des femmes à gauche, à droite, pour eux, ce sont des trophées. Ils couchent aujourd'hui avec celle-là, ils couchent avec l'autre, ils couchent avec l'autre, ils se disent, ah, il est fort. Ils font exactement comme la plupart des animaux, comme des chimpanzés. Et oui, vous voyez le coq. Ils font comme des coqs dans la basse-cour, dans un poulailler. Le coq, c'est comme ça. Le coq, c'est un polygame. Et si vous savez, un coq, c'est un polygame. Parce qu'il est là, le coq est là pour violer les poules. Le coq viole des poules. Est-ce que vous savez, quand vous voyez un coq qui veut coucher avec une poule, ben vous pensez que la poule se donne au coq comme ça, là. Il vient d'abord, là, toc, 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 il attrape la crête comme ça, là, il commence à violer. Eh oui, parce que ce sont des pervers. C'est exactement la polygamie. Donc, vous voyez ici, si un homme couche avec une des concubines de son père, il y a virgule, quoique le verbe n'autorise pas la polygamie, il déshonore néanmoins son père. Les deux coupables sont possédés par les démons. Bibandambo, c'est-à-dire Satyre, et les Menguma Madiba, donc sirène des eaux. Origine, chapitre 32, au verset 1. Là, c'est l'histoire de Tindi. Donc, Tindi qui est celui dont vous appelez Jacob ou bien Yikuba. Dans Origine, chapitre 32, au verset 1, il est dit, Tindi eut donc quatre belles femmes noires lorsqu'il partit pour un long moment chez son oncle Sanga. Et à point. De cela, virgule, à cause. Donc il n'y a pas d'effet sans cause. À cause de la perfidie de son oncle, Tindi emprunta. Tindi, donc qui est Jacob, emprunta involontairement le chemin de la polygamie. Mais quand vous lisez l'histoire de Jacob dans la Bible, dont d'autres vont dire Yekuba ou bien Jacobo, Jacob est allé chez son frère, chez son oncle. Là-bas, là, il a aimé une femme. Il avait aimé une femme. Il voulait se marier avec une femme. Il a aimé une femme, mais sauf que son oncle l'a piégé. On lui a donné plutôt une autre femme. On a dit travaille encore cette année, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a emprunté le chemin de la polygamie. Mais son esprit, au départ, ne voulait pas ce chemin-là. Parce qu'il savait que la loi spirituelle, la loi naturelle, la loi morale est contre la polygamie. La polygamie, c'est uniquement soumettre les femmes. C'est ceux qui ont des pulsions sexuelles démesurées, dénaturées, qui sont des polygames. Qui sont des polygames. Vous ne pensez même pas à ces femmes-là, vous ne dites même pas qu'est-ce qu'elles pensent. Est-ce que ça vous plaît? Non. Vous pensez qu'à vous, à vos pulsions. Vous avez 10 femmes, ce sont des trophées, vous êtes content, et vous draguez encore d'autres femmes. Et quand c'est une femme qui va avoir plusieurs maris, on va dire, ah non, ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est pas normal. Et quand un homme va aller le faire, on va dire, ah lui il est trop fort. Voilà. Des pervers. Et vous dites que non, c'est Dieu qui autorise la polygamie. La polygamie vient de là-bas, n'importe quoi. Donc, origine. Vous allez voir, on va parler de l'histoire de celui que vous appelez Abraham. Donc, Abraham aussi était un polygame dans les Bibles actuelles classiques. Bon, vous allez comprendre pourquoi Abraham aussi
Ce patriarche a eu plusieurs femmes, mais au départ, il n'en était pas ainsi. Il a été séduit. Il a été séduit pour tomber dans la polygamie. La preuve, écoutez attentivement. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez comprendre, même dans les Bibles actuelles classiques, que Abraham lui-même, malgré qu'il a eu plusieurs femmes, il était contre la polygamie. Quand Abraham a eu son fils, Abraham a eu son fils, donc, celui qu'on appelle Isaac, mais avant cela, il avait d'abord un autre fils, donc qu'on vous appelait Ismaël. Abraham, quand il a envoyé son homme de main, son intendant, qui s'occupait de tout, quand il a envoyé son homme de main d'aller chercher une femme à son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham a dit quoi à son homme de main? Il a dit, va chercher une et non deux femmes, et non trois, quatre, cinq. Va chercher une femme à mon fils. Va. Le même Isaac, qui est le fils d'Abraham, pourquoi lui n'était pas polygame? Pourquoi Isaac n'était pas polygame? Isaac avait une seule femme. Parce que lui savait ça. De même que quand celui qu'on appelle Jacob est parti en Mésopotamie, il a dit quoi à son fils? Il a dit là-bas, ne prends pas ici là une femme non initiée. Va-tu prendre une seule femme? C'est ce qu'il a dit. Parce que c'était ça. Abraham a dit à son homme de main, va chercher une femme à mon fils. Mais lui qui est polygame, pourquoi il n'a pas dit ça? C'est un esprit héréditaire. Un esprit familier qui est passé par Abraham par rapport à la séduction, qui est aussi passé par Jacob, et Jacob a eu plusieurs femmes. Donc, dans Origine chapitre 23, versets 19 à 20, il est dit, car tu as été trompé. Donc, c'est à l'époque où on a demandé à Abraham, dans les Bibles actuelles classiques, où c'est rempli de mensonges, on dit que Dieu. Regardez même la confusion. Dans Genèse, dans d'autres versions 22, on vous dit que Dieu a tenté Abraham, que Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham devait l'aimer. Donc Dieu ne sait pas si, donc il a besoin de voir l'action pour savoir si tu l'aimes. Regardez comment les dieux sont limités. Donc on vous dit que Dieu a dit à Abraham de lui donner le sacrifice, dont son fils unique, donc qui est Isaac. Alors que c'est faux, Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham. Puisque Abraham avait eu un fils avant Isaac, déjà pour commencer. Donc, d'autres vont dire non, quand on dit unique, c'est unique par rapport à la promesse. Parce que vous pensez que celui qu'on appelle Ismaël n'avait pas eu de promesse aussi. Donc, et c'est tout le droit d'aînesse qui compte. Abraham a voulu faire le sacrifice, tuer son fils Isaac. Vous comprenez que dans la version authentique, ce n'est pas celui dont vous appelez Dieu. Donc, ce n'est pas Loba qui a dit à Abraham d'aller faire le sacrifice. C'est Satan qui a pris l'apparence de l'entité pour séduire Abraham, parce que le Créateur ne te demandera jamais de t'offrir son enfant à sacrifice. Le Créateur qui est Loba ne te mettra jamais à l'épreuve, parce que Yahvé Adonai Elohim, l'Éternel Jéhovah, lui, il ne sert rien du tout. Donc, il veut mettre Abraham, soi-disant l'une de ses créatures, à l'épreuve, pour voir si sa créature allait l'aimer. Donc, vous voyez qu'il est limité au temps et à l'espace. Il ne peut pas deviner ce qui va arriver plus tard. Donc, on vous dit ici, quand Abraham voulait tuer son fils, voulait faire le sacrifice en pensant que ça vient du grand ordre des choses, et on sait que c'est Satan qui a trompé Abraham. Satan a pris l'apparence de l'entité, donc du moutard, qui guide et qui intronise les initiés. Et on vous dit dans la version authentique de la Bible que Yololo, c'est-à-dire qui est Isaac, lui, il a dit à son père, Sango, qui est Abraham, que non, ne fais pas ça. Que Loba ne peut pas permettre, Loba n'autorise pas ces genres de pratiques. Loba ne peut pas te demander, Loba ne va pas te demander de m'offrir un holocauste. Parce que ce n'est pas possible. Mais Abraham était dans un état second. Donc, c'est là où Moutat est déjà apparu. Il a dit à Abraham, non, ne fais pas ça. Et voilà la révélation qu'il lui donne à Abraham. Il dit, car tu as été trompé par Satan, le Moundima-Bobé, le mauvais esprit. Et ton fils Yololo a bien pénétré cela. A bien pénétré cela. À l'instant même, Sango, donc Abraham, fut
libéré de l'influence de Satan et pleura amèrement à cause de ce qu'il voulut faire à son fils, virgule, et parce qu'il s'est laissé duper par mégarde à cause de la porte d'entrée de la polygamie. Point. Donc, Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac parce que c'était un polygame. Parce que quand tu es dans la polygamie, tu deviens une porte d'entrée. Donc, les démons peuvent t'utiliser facilement, n'importe comment. Maintenant, on va vous donner l'origine de la polygamie. L'origine même de la polygamie. Et dans le sens spirituel, qu'est-ce qui veut dire réellement la vraie définition dans la vraie définition dans la spiritualité ancestrale de la notion de la polygamie. La polygamie, c'est quoi réellement? Donc, dans origine, donc qui est origine, qui est l'origine, c'est dans les Bibles classiques, c'est la Genèse. Beaucoup connaissent l'histoire de Caïn, celui qu'on appelle Caïn, Abel et Caïn. Quand on vous dit Caïn a tué son frère, que Caïn était jaloux de son frère Abel, parce qu'ils sont venus faire les sacrifices à Yahvé, Adonai, à Elohim, l'Éternel, Jéhovah. Parce que Dieu a demandé un sacrifice. Ils sont venus apporter un sacrifice à Dieu. Que Dieu a préféré le sacrifice d'Abel. Et il a rejeté le sacrifice de Caïn. Et pour cela, Caïn s'est irrité, il a tué son frère Abel. Je vous dis que c'est un mensonge. Pourquoi? Vous allez comprendre que ce Dieu, c'est un pervers. Exactement comme les faux juifs. Exactement comme tous ceux qui ont réduit la Bible à Dieu classique. Vous comprenez par là, dans Genèse 4, dans les Bibles à Dieu classique, raisonnons un peu ensemble. On vous dit que Abel a apporté un sacrifice de sang à Yahvé. Et dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, on vous dit quoi? Que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Donc on vous montre par là que Dieu n'a jamais autorisé le sacrifice de sang. Comment se fait-il que Abel va tuer un animal qui lui a rien fait, un animal qui n'a rien fait à Dieu, et il tue l'animal a souffert. Est-ce qu'il a demandé la permission au papa ou aux mamans ou à la maman plutôt de cet animal qu'il a tué? Abel a tué un animal, il était le premier meurtrier physique. C'est Abel qui a été le premier à verser le sang. Je suis seul à le dire, car il n'y a qu'un seul enseignant. Abel est la seule, est la première personne qui a tué un être vivant, parce qu'un animal, c'est un être vivant. Abel a tué un animal. Il a versé le sang de l'animal. L'animal a ressenti la douleur. L'animal a crié, a ressenti la douleur, l'angoisse, la peur. Donc Dieu approuvait ça. Vous allez comprendre que derrière ce Dieu-là, c'était Satan lui-même qui a séduit Abel pour que Abel verse le sang. Et Caïn a compris ça. Caïn a compris que le sacrifice de sang n'est pas bon, n'est pas approuvé par l'homme, le seul créateur qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Je suis le seul qui a apporté cette notion-là, cette connaissance. Tous les autres mongols qui veulent copier sont des arrivistes. Donc vous comprenez par là que quand Caïn a compris que son frère avait versé le sang et que dans la loi spirituelle, si tu verses le sang, ton sang va être versé. Caïn avait compris ça. C'est pour ça qu'il a tué son frère aussi, pour venger le maître de l'animal. C'est tout. Mais sauf que ce n'était pas à lui de le faire. Mais néanmoins, dans un sens, Caïn a accompli la loi. Parce que Abel a tué un animal. L'animal ne lui a rien fait. Il a tué un être vivant. Et Caïn est venu venger le sang de cet animal. C'est tout. Mais sauf que ce n'était pas à lui de le faire. Et en cela, pourquoi votre Dieu n'a pas tué Caïn, vu que Caïn a tué Abel? On a juste banni Caïn. Et Caïn, on vous dit,
Vous allez comprendre où je vais en venir pour vous parler de l'origine de la polygamie. Caïn, certes, il s'est éloigné. Il allait bâtir. Bon, si Loba le permet, je parlerai de l'histoire de Caïn aussi. Plus en détail, qui était sa femme. Il a pris sa femme où? Parce qu'il y a plein qui ne savent pas encore. Quoique j'ai déjà donné les enseignements. Vous pouvez aussi, aux nouvelles personnes qui vont regarder cette vidéo, les enseignements que je donne, je suis le seul à donner ces enseignements. Toutes les autres personnes qui veulent me copier sont des arriviste. Vous allez aller sur YouTube, vous allez taper Zulula 100. Vous allez voir, j'ai fait plus de 600 vidéos déjà, avec plusieurs thèmes, que ce soit la dot, la polygamie, l'origine des races, l'origine de la race blanche, tout ça là. Parce qu'il y a des mongols, des rigolos, qui sont des pervers, des apés, qui sont des tantos, qui veulent me copier tout le temps, ils veulent copier mes enseignements parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'aspiration. Donc, vous allez taper Zulu la 100 dans YouTube. Vous allez voir, j'ai fait plus de 500 vidéos, plus de 600 vidéos sur plusieurs thèmes qui existent, que ce soit de la spiritualité, de l'après-vie, de l'âme, de l'esprit, du corps en profondeur, en détail. Donc, par rapport aux sorties astrales, comment on sort du corps, tout ça là. Bref, de la mort, de ce qui se passe quand on est en train de mourir. Donc, ici, Caïn. L'entité dit à Caïn, Caïn avait compris que l'acte aussi qu'il venait de commettre, qu'il dit que quiconque va le trouver va le tuer. Donc on met un sceau à Caïn, on lui dit, personne ne pourra te tuer volontairement. Vous allez comprendre que personne ne pourra tuer Caïn volontairement. Bon, des années après, Caïn a eu ses enfants, a eu une descendance. Et on nous dit qu'un jour, parmi les descendants de Caïn, Caïn était allé à la chasse. Mais vous allez comprendre que Caïn ne partait pas à la chasse pour tuer un animal, parce que Caïn, lui, il a tué une seule fois. Donc son frère, il n'a pas tué les animaux après. Caïn ne mangeait pas la viande. Est-ce que vous comprenez? À cette époque, on ne mangeait pas de la viande. Vous pouvez même vérifier. Même dans les Bibles actuelles classiques, c'est à partir de Genèse 9. Donc après le déluge, qu'on a autorisé à l'homme de manger de la viande. De manger de la viande. Donc, ceux qui ont mangé de la viande avant le déluge, c'était des démons quand ils avaient encore des corps physiques et les autres races. Tout ça, c'est contenu dans la Bible, la seule Bible authentique. Donc, vous comprenez ici, c'est l'un des petits-fils de Caïn qui a tué Caïn, mais pas volontairement, mais involontairement. Donc, quand il a tué Caïn, involontairement, pas la faute à cause de son petit frère, c'est-à-dire le petit frère du petit-fils de Caïn. Quand il a vu qu'il a tué Caïn, son ancêtre, il aimait beaucoup Caïn. Donc du coup, il est entré dans un état second, il s'est irrité parce qu'il était trompé involontairement par son petit frère. Et c'est là où il s'est mis en colère, il a aussi tué son petit frère. C'est pour ça que dans les Bibles actuelles classiques, on vous parle de le mec. On vous dit le mec, il a tué, il a pris deux femmes. On vous dit que le mec a pris deux femmes. Le mec est de la descendance de la lignée de Caïn. Donc le mec a pris deux femmes et il a parlé à ces deux femmes. Il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrisure. Pour ma maîtrisure, plutôt. Et beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi il a dit ça. Beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de ce dont il a parlé. Et pourquoi le mec a pris deux femmes. Donc c'est la toute première personne dans l'histoire de la création qui était polygame. Le mec était de la descendance de Caïn. C'est lui qui était le premier polygame. Dans la version authentique, dans Origine Bible, on vous explique en détail pourquoi il était polygame, pourquoi il a été polygame. Donc, dans Origine chapitre 4, verset 77 au verset 4, Origine chapitre 4, verset 77 à 83, il est dit, Moutatedi, c'est-à-dire l'entité qui guide et qui intronise les initiés, Moutatedi lui dit, tu viens toi aussi à l'instant de goûter à l'interdiction. L'interdiction, c'est le meurtre. L'acte abominable que tu viens d'accomplir fera manifester
le contraire de l'unité dans le visible. Point. Mais tu seras jugé dans la balance de la conscience profonde. Il y a point ici. Donc, Mouta te dit qu'est le veilleur, plutôt qui est l'entité. Il fait comprendre à Mawala, c'est-à-dire à le mec, que l'acte ignoble qu'il vient d'accomplir, dans l'acte c'était quoi? Il a d'abord tué Caïn involontairement et il a tué son petit frère lui volontairement parce qu'il est entré dans un état second. Donc il a tué deux personnes. Et l'acte qu'il venait d'accomplir, c'est quoi? Ça va manifester le contraire de l'unité, donc de l'unification. Le contraire de l'unité. Écoutez attentivement, je suis la seule personne dans le monde entier, dans cette planète, dans la création, le seul enseignant qui dit ici que le contraire de l'unité, c'est la polygamie. Est-ce que vous comprenez? Le contraire de l'unité, c'est la polygamie. L'unité, c'est quoi? Un homme et une femme, ils sont unis. Dès qu'une deuxième femme apparaît, c'est le contraire de l'unité. C'est le contraire de l'unité. Donc, l'acte ignoble que, c'est-à-dire le mec, parce que si vous ne savez pas, le mec, le nom, le mec, ça veut dire polygamie. Le mec, pour ceux qui ne savent pas, donc je m'adresse ici à ces faux pasteurs qui ne savent pas, c'est beaucoup de faux pasteurs qui vont sur YouTube, qui regardent les enseignements de Zulu, là, ils copient, copient, copient. Après, ils vont dans leur fausse église, ils disent, ah, 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 Dieu m'a dit, j'ai une révélation, Dieu m'a mis à cœur. Il y a plein comme ça, là, des tétards, des mongols, des attardés mentaux. Ils n'ont pas de personnalité. Ils vont prendre les enseignements de Zulu, là, et ils vont essayer de tordre, essayer d'enlever quelques phrases pour faire croire que ces enseignements émanent d'eux. Parce que vous n'avez pas de personnalité. Quand quelqu'un vous dépasse, portez tout simplement son sac, c'est tout. Portez son sac quand quelqu'un vous dépasse. Allongez-vous, je marche sur vous. Je le dis ici, encore en direct. Je suis le seul enseignant. Que ce soit dans toutes les religions, dans toute forme de spiritualité, il n'y a pas deux comme moi. Je suis l'unique enseignant. Donc, l'acte que le mec qui veut dire polygamie, et la langue originelle, dans la langue originelle, le vrai mot polygamie, c'est mawala. Mawala. Mawala veut dire polygamie. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand le mec, il a tué Caïn involontairement, et il a tué aussi son petit frère à lui, qui a fait en sorte qu'il puisse tuer Caïn. Quand il a fait cela, donc il a tué deux personnes. Il a tué deux personnes. C'est pour cela que dans les Bibles actuelles classiques, ils ne savent pas. Mais ils ont quand même écrit, ils ont dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma menstruation. Donc, il a tué Caïn, son ancêtre, involontairement. Et il a aussi tué son petit frère à lui qui a dit, tiens, donc il a induit en erreur pour qu'il puisse tuer Caïn. Et l'acte qu'il a fait, l'entité lui dit, ça va manifester le contraire de l'unité dans le visible. L'acte ignoble que tu as accompli va manifester le contraire de l'unité. Et le contraire de l'unité, c'est la polygamie. C'est pour cela que l'entité dit ici, l'acte abominable que tu viens d'accomplir fera manifester le contraire de l'unité dans le visible. Mais tu seras jugé dans la balance de la conscience profonde. Donc, quelques temps après ces événements, Mawala, donc qui veut dire polygamie, c'est la toute première personne dans l'histoire de la création qui a pris deux femmes, qui étaient polygames. Il a été polygame parce qu'il a tué deux personnes, donc l'acte qu'il a accompli, ça a manifesté le contraire de l'unité. Et le contraire de l'unité, je le dis encore, c'est la polygamie. Quelques temps après ces événements, Mawala prit pour lui, virgule, comme ses épouses corporelles, deux facultés physiques, donc femme. Le nom de la première était Dolicé, dont Ada. Ada, dont l'évidente. Et celle de la seconde,
et dingue, dingue. Donc, Sila, la profonde, l'obscurité, la voilée. Parce que quand il a accompli l'acte ignoble, il a été voilé, il était dans l'obscurité. Donc, quand Caïn approchait, il ne savait pas que c'était Caïn qui venait. Donc, il était voilé, c'était dans l'obscurité. Puisqu'il faisait, c'était la pénombre. Il ne voyait pas son ancêtre, Caïn, arriver. Et vrap, il a lancé la chose qui a tué Caïn. C'est pour cela que, pour ne pas qu'il sombre dans la folie complètement, il a pris deux femmes. Et vous allez comprendre qu'il n'a pas pris deux femmes au hasard. Les femmes qu'il a prises portaient exactement ce nom-là pour pouvoir soulager sa conscience. Donc, on vous dit ici qu'il avait pris Sila. Sila, dans les Bibles actuelles classiques, mais son nom c'est Edinge Dinge. Edinge Dinge qui est la profonde, l'obscurité, la voilée. Donc, parce qu'il a tué son ancêtre, il était voilé. Donc, il va prendre une femme qui correspond, les profondeurs d'une femme voilée, en gros, de l'obscurité, de la profonde. Et ensuite, l'autre, c'était quoi? Dolice, l'évidente. L'évidente. L'évidente, pourquoi? Ada, qui veut dire l'évidente. Parce que lui, pour lui, c'était évident que ce que son jeune frère avait dit, que tiens, voilà le gibier qui sort. Et pour lui, c'était évident que c'était le gibier qui sortait. Mais sauf qu'à un moment, il était dans l'obscurité. Donc, c'est pour cela que... il prend deux femmes. Une qui va représenter l'évidence, dont l'évidente, et l'autre qui va représenter l'obscurité. C'est pour cela qu'il était polygame. Donc, Mawala, le mec, dit à ses femmes, dans l'Issée, Ada, et Dingue Dingue, dans Sila, écoutez ma voix. Prêtez attention à mes paroles. J'ai involontairement tué un homme, c'est-à-dire Pangissé, donc qui est Caïn, pour avoir écouté sans vérifier. C'est ça l'évidence. Virgule. Et un jeune homme, c'est-à-dire jeune frère, pour ma mettre sûr. Vous voyez? Il y a point. Voilà l'enseignement sur la polygamie. Vous voyez? Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est Zulula, celui qui est en face de vous. Le seul Mouledi qui détient la connaissance. Car celui qui est en face de vous est la connaissance interdite. Je suis la connaissance. Je le dis encore. Personne ne fait le poids. Dans tous ces gens, que ce soit aux Amériques, en Inde, qui viennent se pavaner en Afrique, un peu partout dans le monde, qui vont vous dire qu'ils sont des bishops, archibishops, qui sont loin de l'éternel, ils sont des pasteurs, ils sont des prophètes, ils sont des apôtres, ce sont des rigolos, ce sont des arrivistes. Tous ces gens, ils restent que dans les Bibles actuelles, corrompus, pour vous dire que Dieu les a donné une mission. Pour vous dire qu'ils sont des enseignants parce qu'ils cherchent des ministères, parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils ont des pulsions sexuelles démesurées. Ce sont des polygames. Et je le dis encore, partagez-moi cet enseignement, partagez ce lien, partagez ce direct-là pour vous montrer que l'heure de caresser est finie. Le visiteur est là. Le champion est là. C'est celui qui est en face de vous. La seule Bible authentique, c'est Bible Kalatambale, qui veut dire le livre de la vérité. Kalatambale, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le livre de la vérité. Et quand vous lisez dans les fausses Bibles, on vous dit la Sainte Bible traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs, n'importe quoi. C'est qui, voilà la seule version. Il est dit ici, Bible, vous voyez, Betiledibabosangi, qui veut dire les saintes écritures ou bien les écritures propres, donc ce qui est propre, donc qui est saint. Betiledibabosangi, récits primitifs, ancestraux, du peuple originel. Voilà. Donc, allez les dire. Que le champion est là. Le destructeur est là. Le seul enseignant. Dans tous ces polygames-là, ce sont des sorciers.
Les polygames sont des sorciers. Les polygames sont des sorciers. Ils sont là uniquement pour les pulsions sexuelles parce que les démons qui les possèdent, donc les satyres, les Mbadambo du Mamoudi Mabobé, les démons en forme de bouc, sont derrière eux parce qu'eux, ils ont des appétits sexuels démesurés. Voilà ces gens. C'est ça la polygamie. Il y a des gens qui vont se pavaner sur Internet. Non, la polygamie, c'est pour les Bantous. Un vrai Bantou doit avoir plusieurs femmes. Mensonge. Ah, parce qu'une vraie femme Bantou ne doit pas avoir plusieurs maris. C'est plutôt un vrai Bantou homme qui doit avoir plusieurs femmes. Donc ça, c'est votre logique. On va vous dire non. C'est la tradition. Quelle tradition? En quel moment c'est la tradition? La tradition des initiés ou bien des non-initiés corrompus? Il faut savoir. Donc je suis le seul qui détient la connaissance de l'humanité. Pourquoi le monde a été créé? Pourquoi l'univers a été créé? Pourquoi toutes choses ont été créées? Et ce qui se passe dans l'après-vie de l'autre côté. Donc tous les autres pseudo-enseignants qui vont venir, ce sont des rigolades, ce sont des mongols, ce sont des têtards, dans des bombokas. Le seul enseignant est là, le seul maître est là. Au temps du vrai Christ, qui est Dieu qui savait, il dit, il y a ici plus que Manman, donc il y a ici plus que Salomon. Donc comprenez ici, vu que je suis en direct, quand je dis je, c'est Dieu qui dit je. L'Oba, c'est encore glorifié. Passé, on va dire plus tard. Donc, si l'Oba le permet, je ferai une vidéo sur la dot aussi. Au revoir. À bientôt.